Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3. Aujourd'hui pour un giga, méga, ultra, extra, pack opening. Et ça fait plaisir, surtout que la dernière fois, dans justement mon dernier pack opening, je vous avais dit que c'était le dernier, que j'en ferais pas d'autres. En tout cas je pensais ça. Mais finalement non, vous voyez aujourd'hui ce qui se passe. Surtout que là vraiment c'est le big opening, le plus gros opening que je vous ai jamais proposé sur la chaîne. Il y aura, je pense, de la difficulté d'ailleurs à égaler ou à dépasser cette vidéo en termes d'opening tout simplement. Car aujourd'hui ça va être l'ouverture de 20 ravitaillements rares dans un premier temps. De ravitaillements où je suis garanti d'avoir une nouvelle arme, je dis bien une nouvelle arme à feu, à distance si vous préférez. Également deux ravitaillements où je suis sûr d'avoir encore une fois du coup une nouvelle arme, donc deux nouvelles armes au total, de corps à corps. Ce qui nous fait au résultat à la fin de cette vidéo une certitude d'avoir 4 nouvelles armes. 4, je le répète. Peut-être plus du coup avec les ravitaillements, et en plus de cela j'ai 200 clés de cryptage. Donc là vraiment, on peut pas faire mieux je dirais, on peut pas faire mieux. Alors comment j'ai obtenu du coup ces ravitaillements? Tout d'abord, il y a eu un triple pack qu'on pouvait acheter. Donc un triple pack, c'était du coup la deuxième fois qu'il était disponible sur Black Ops 3. Cette fois-ci, on ne pouvait pas l'acheter avec des clés de cryptage, seulement avec des points codes. Mais direct quand j'ai vu ça, qu'on avait la possibilité du coup d'avoir une arme de corps à corps et une arme à feu qu'on n'avait pas déjà, plus 10 ravitaillements rares à côté, je me suis dit, fuck, je paye 20€, ça vaut le coup, je veux avoir mes deux nouvelles armes, moi, j'hésite pas. Surtout qu'après, pour mêler général avec toutes les armes, c'est parfait, donc j'ai pas hésité. Du coup ça m'a fait la moitié des ravitaillements que je vous propose. Et l'autre moitié, comment je l'ai eu? Il y a eu un nouveau contrat qui a été ajouté, bah exactement au même moment où le triple pack était disponible. Cette fois-ci c'était pas 75 victoires qu'il fallait faire pour l'obtenir, ce petit gros bonus je dirais. 100 victoires, donc 100 victoires, vous savez très bien où je les ai fait, hein, même pas besoin de le dire. C'était en jeu d'armes bien évidemment. C'était long, même si c'était pas compliqué, c'était très très long. Ça m'a pris vraiment je dirais 2 jours et demi où j'ai que joué à Black Ops 3 et à aucun autre jeu. Donc ouais, c'était quand même long, c'est 100 victoires, mais ça valait le coup parce que du coup ça me garantit encore une fois là d'avoir deux nouvelles armes, une de corps à corps et une à distance. Donc vraiment c'est super et je suis content, voilà, je suis content du coup de vous proposer cet opening. C'est comme ça que ça s'est passé. Aujourd'hui en plus, le jour où je vous tourne cette vidéo, c'est Noël, on est 25 décembre, vous la verrez normalement le vendredi du coup, donc quelques jours après, 5 jours après. Donc voilà, ça c'était pour exposer les faits et comment j'ai eu tous ces ravitaillements. Avant de commencer, même si moi-même je suis très très hypé et très très pressé d'ouvrir tout ça, je pense que vous savez, hein, c'est logique en même temps, je vais quand même vous montrer les armes qui me restent à voir, parce que là on est garanti d'avoir 4 nouvelles armes sur les armes que je n'ai pas encore, mais il faut savoir quelles armes il me reste justement à avoir sur ce Black Ops 3. Au total, j'ai compté avant de commencer cette vidéo, j'ai 9 armes qu'il me manque du coup sur ce Black Ops 3 pour tous les avoir. En soi on est d'accord, c'est pas beaucoup, hein, c'est vraiment pas beaucoup. Donc il y a tout d'abord bien évidemment le nouveau fusil d'assaut qui a été ajouté il y a de ça 2-3 semaines environ, 2 semaines peut-être plus que 3 semaines. Ouais bon, un truc comme ça en tout cas, donc qui est le LV8 Basilic. Je veux vraiment l'avoir celui-là, je vous le dis direct, je veux vraiment l'avoir. Ensuite en mitraillette. En mitraillette on a tout d'abord le brico pisto que je n'ai toujours pas, même si bon il est assez récent en soi. Également une nouvelle mitraillette, elle je ne sais plus son nom donc je vais pas vous le dire. Mais bon, ces deux armes également ils m'intéressent beaucoup. Après on a toujours le petit sniper résistant, c'est-à-dire le DBSR50 que je veux vraiment beaucoup également. Donc à marquer on va dire dans la liste des armes que je souhaite. Donc ça fait déjà, vous voyez, sur les 4 armes que je vous ai présentées, 4 armes que je veux vraiment quoi. Donc si j'ai, on va dire, 2 parmi ces 4 armes, ce serait magnifique, ce serait magnifique. Donc ça, ça fait 4 armes. Après, on passe au niveau des secondaires. On a le Rift 9. Le Rift 9, honnêtement, au niveau des armes à distance, parce que du coup, il y en a 5 au total des armes à distance qui me restent. C'est celle que je veux le moins, le Rift 9, c'est sûr, vraiment sûr. Après, bon, si je l'ai, on va dire, c'est toujours bien, ça fait une nouvelle arme. Mais c'est vrai que par rapport aux armes que je vous ai montrées précédemment, je la trouve moins bien et quoi, et moins intéressante surtout. Et pour finir du coup, on a 4 armes de corps à corps du coup qui me restent. Donc on a la nouvelle arme, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est pour moi simplement un reskin du cambrioleur. Le cambrioleur d'ailleurs que je n'ai toujours pas. Après, bah, il y a le bras de mannequin
que je veux pas mal quand même parce qu'il a l'air cool. Et celui que je veux le plus, c'est surtout ça, le trop son point. Alors celle-là, s'il vous plaît, donnez-la-moi, donnez-la-moi parce qu'elle est trop trop stylée. Donc finalement, dans le résumé des choses, au niveau des armes, du coup à distance, vous me donnez soit le LV8 Basilic, soit le Brico Pisto, soit la nouvelle mitraille, soit le DBSR, je suis content. Si vous me donnez deux armes parmi ces quatre, c'est parfait. Rift 9, honnêtement, je préfère l'éviter. Et au niveau des armes de corps à corps, mon souhait serait plus d'avoir du coup le bras de mannequin ainsi que le petit tronçon point. La grosse douille, ce serait vraiment d'avoir le cambrioleur et cette nouvelle arme de corps à corps parce que j'ai regardé des gameplays avec cette nouvelle arme de corps à corps et vraiment, c'est exactement la même chose. Animation et tout, c'est exactement la même chose. C'est juste un reskin du cambrioleur. Donc ce serait la douille d'avoir, bon, deux armes de corps à corps que je n'ai pas et qui sont pas les mêmes, mais en soi, c'est des équivalents, donc ça sert pas à grand chose. Voilà, donc ça c'est au niveau des armes et au niveau de mes souhaits. Ensuite, bon, j'aimerais bien avoir des nouveaux trucs qui sont sortis via la mise à jour du coup de décembre du marché noir. Voilà, les tenues d'Halloween aussi qui sont très très stylées, des cartes de visite comme d'habitude. Hein, finalement, au niveau des souhaits, les camouflages, je m'en fous, les trucs de personnalisation, on va dire, d'accessoires, je m'en fous également. Donc voilà, faut savoir du coup, bien évidemment, que je vais commencer par ouvrir bah, les ravitaillements rares. Je m'avance quand même en disant ça, mais je pense que c'est largement possible d'avoir une cinquième arme, donc dans ces ravitaillements rares que je vais ouvrir avant du coup d'ouvrir les pots de vin, voilà tout simplement. Après, je me dis que c'est presque sûr que j'ai une cinquième arme, mais c'est également fort possible que ce soit un doublon, voilà. Mais si j'ai une cinquième arme et que c'est pas un doublon, ce sera la joie. Mais en tout cas, ce qui est positif dans cet opening, c'est qu'à la fin, je suis sûr d'avoir 4 nouvelles armes. Et ça, de toute façon, c'est énorme, voilà. Le débriefing y fait, ça m'a pris 7 minutes, il fallait tout expliquer, moi vous savez bien, j'aime bien parler en général. Mais maintenant, c'est l'action qui va commencer, le vrai opening, et ça va faire mal. Ça va faire vraiment mal, je pense. Du coup, bah, je vous propose de commencer. C'est parti. Allons-y! Allons-y! C'est parti! Là vraiment c'est l'opening, c'est pas l'opening de la dernière chance mais si quand même parce que je sais que des openings comme ça j'en ferai plus sur Black Ops 3. J'ouvrirai encore des ravitaillements mais autant comme ça et surtout avec des armes assurées plus jamais. Donc vraiment oui c'est peut-être même l'opening de la dernière chance on peut le dire. Ça commence bien, j'ai eu un bonus de 20 clés, moi j'aime bien ça les petits bonus de 20 clés, pourquoi pas. Wouah! Oh j'ai... Elle est stylée cette variante d'accessoire. Moi je vous dis que je m'en fous de cette variante d'accessoire, mais elle est stylée celle en bois. Bon, après, c'est la crosse. Moi je joue pas à la crosse sur le snipe, mais bon, elle est stylée quand même. C'est positif, tu vois. Ils prennent du temps en tout cas, hein, les petits ravitaillements comme d'habitude à nous faire des feintes en plus là. Dévastation sur le Brecci, ouais. Pourquoi pas, hein. Me diriez-vous? Ah si, ils prennent du temps. Oh, escroc sur le couteau, c'est pas mal ça. Mais bon, quand t'as le Dark Matter, après ça sert plus à grand chose. Mais il est stylé le camo escroc sur le couteau. Je suis sûr que ça au moins je l'avais pas tu vois. Donc au total finalement je vais ouvrir plus d'une trentaine. En termes de ravitaillement rare si j'exclus les trucs de pot de vin ça fait au moins 30 ouais. Parce que bon il y en a 20 de base. Plus avec les 200 clés, plus avec les doublons, plus avec on va dire également les bonus de clé cryptage. Ouais on va atteindre facilement les 30 et après il y aura les 4 à côté. Bon pour l'instant il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il faut savoir quand même que dernièrement j'ai eu quand même 3 armes. Donc sectionnateur, je vous avais déjà dit, sectionnateur, la pelle et le katana. Donc ouais, je pense que ça va être quand même chaud hein, d'avoir une arme comme ça, surtout si c'est une nouvelle arme. Je pense qu'il vaudra plus attendre les pots de vin. En tout cas, pour l'instant, aucune arme montre sa tête. Rien. Hazardback, il y a du camo. Panda, ouais. Alors, pour l'instant, vraiment, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a pas une carte de visite, il n'y a pas une tenue, il n'y a rien qui m'a vraiment tilté à l'œil pour dire « Oh my god, c'est trop bien !» Non, pour l'instant, rien de tout ça. Ouais, glace, là, sur les HVK, ouais, c'est ça. Non, pour l'instant, rien de spécial. Ah, déjà 10, hein. Bof, bof, hein. Heureusement qu'on est sûr d'avoir des armes à la fin, parce que là, c'est vraiment bof, bof, hein. Y a pas à dire. Non, là, y a vraiment rien de... d'exaltant. Rien de spécial. Non. Non, une carte de visite droit du château, non, non. Non, vraiment rien de spécial, hein. C'est très très plat là, putain. Ouais. Ah, ça c'est cool par contre. Et en plus, c'est mon tout premier objet de la contrebande de décembre. Enfin, au bout de je sais pas combien de ravitaillement rare, c'est mon tout premier. J'en ai jamais eu auparavant. C'est pas mal parce que je sais que maintenant on a voilà cette tenue ardente sur tous les spécialistes. Et c'est vraiment stylé. Ça vient d'un camo d'ailleurs qu'on a déjà.
La Vesper. Oh, rituel, ça c'est cool, hein. Bon, j'utilise pas trop non plus, hein. Comment ça? Ce serait bien de quand même finir une collection de cartes de visite, ça j'aimerais bien. Bon, vu comment c'est parti. Putain, moi je vous avais dit que c'était presque sûr d'avoir une arme hors des 4 pots de vin là, mais comment ça avance là? On dirait pas, hein. Paradis, non, c'est moche. Oh, oh là là, la dèche. La dèche. La dèche, la dèche. Après, je peux avoir directement de l'herbe là, et aussi bien dans les pots de vin, je vais avoir des armes de taré. Ou alors j'aurai les armes que je voudrais pas. Alors là, bon, bah ce sera le fail de la merde, hein. Le gros fail. Ouah. Wow. Y'a pas d'armes, hein. Lumière sur le locus, ouais. Il en reste déjà plus que deux. Ça passe trop vite là. Ça me fait mal là. Monochrome sur le MR6. Non, mais arrêtez. Non, mais arrêtez, vous êtes pas sympa là par contre, hein. Oh. J'ai rien eu, en plus d'extraordinaire, carte de visite, tenue spécialiste, rien. Bon, en tout cas, il y a 325 clés, vas-y, je vais brûler direct les doublons. Ouais, ouais, il n'y en a pas tant que ça des doublons, hein. Il n'y a même pas de légendaire, pas d'épique en termes de doublons. C'est plat, c'est plat. On va tout miser sur les clés de critage, là. C'est peut-être eux qui nous donneront une petite arme. Mais en tout cas, j'ai regardé des vidéos d'opening, justement, de ces ravitaillements, et à chaque fois, je voyais que... hors des pots de vin, les gens arrivaient toujours à avoir au moins une arme. Est-ce que moi je vais déroger à la règle et j'aurais pas? Bon, on ouvre du coup le double quotidien. Moi ça fait une petite économie. Me faites pas ça s'il vous plaît quand même. Donnez-moi au moins une arme. Même si c'est un doublon, je m'en fous. Je pourrais dire au moins que j'ai eu 5 armes dans l'opening, tu vois. C'est quelque chose qui est plutôt pas mal en soi, 5 armes. Ah! Provoque Outrider. J'espère que je l'ai pas celle-là, mais il me semble que non. Donc c'est cool. En plus sur Outrider, c'est vraiment cool. Ok. Le second. Allez, l'arme là, je sais pas, même si c'est un vieux doublon, même si c'est un Peacekeeper, la FAMAS, je ne sais pas quoi. Vas-y, donne ce que t'as à donner, hein. Oh non, par contre là, ouais, j'allais dire, bug pas, non, c'est bon. En plus, c'est ardent sur le Riders, c'est cool. Ok. Allez, on continue du coup pour des ravitaillements rares, des plus normaux. Ouais, bon pressentiment, vas-y là, je veux ma cinquième arme. Le mec, il dit déjà qu'il y aura 4 armes, mais oui. Après, je sais qu'on peut également avoir deux armes dans les pots de vin, mais bon, ça, faut avoir une chatte grosse comme je sais pas quoi, hein. Grosse comme la terre, c'est pas possible. Oh, il y a une provoque encore. Oh, et là, par contre, c'est cool. Puzzle, je veux trop avoir la tenue complète, donc il me faudrait la tête. Ça fait plutôt que Rubiscute, d'ailleurs, que Puzzle. Par contre, je pense que Tireur d'élite, je l'ai déjà avec Seraph. Ça, je pense, ouais. Bon, on continue. Les trucs sont meilleurs, là. Ah bah super, on a la tenue ardente complète pour Outrider, ça c'est cool. Ça s'améliore, mais toujours pas d'armes à l'horizon, hein. Rien, rien, rien. Oh non, mais la prédiction que je vous avais donnée en début de vidéo va être fausse, c'est ça? Je vais pas avoir de 5 armes, non? Non, vous êtes salauds quand même, hein. Putain, y'en a, j'ai vu même, ils ont ouvert autant de ravitaillements que j'en ouvre dans cette vidéo. Et ils ont eu 7 armes au total. 7 armes. Là, tu vas me dire que moi, non, rien. J'en ai avoir 4, le minimum que je peux avoir. Ah ouais, on dirait bien. Hein. Rituel. Putain, ils nous font des feintes en plus, hein. C'est des épiques, mais c'est des camos, quoi. C'est pas des armes. Chic, mais non. Oh là là. Ça bombarde, là, on est d'accord. Ça, quand même, ça bombarde de bons trucs. Là, ça commence à être mieux. Y a pas d'armes et on s'approche de la fin. Oh là là. Allez, là. Oh putain, y a les boissons. Yes. Oh, la carte de vie de bois sont trop bien. Ça, par contre, c'est hyper cool. Moi, étant joueur zombie, je l'avais toujours pas. Il était temps quand même, hein. Ouf. Vous avez tardé à me la donner, mais je l'ai enfin. Ça, c'est super, super. Allez, on continue. On sent que ça s'améliore quand même, hein. Oh, y a une arme des. Y a eu... Oh, interdiction RSA. Bon, bah, j'aurais eu 5 armes, hein. Interdiction RSA, ok. Est-ce un signe pour me dire que je vais avoir le DBSR, peut-être? Ah, ou alors le contraire, je l'aurais pas. Je sais pas. Bon, au moins, voilà, j'ai eu 5 armes, ok. Après, il n'y a pas de réaction, hein, c'est l'interdiction RSA, je l'avais déjà, voilà, quoi. Pas plus de choses, quoi. Mais j'aurais eu 5 armes, donc ma prédiction était vraie, voilà, c'est avéré vrai. Bon, normalement, du coup, on va avoir des doublons pour ouvrir au moins un, voire deux. Ah, on a deux épiques doublons, ok. 51, ouais, 51, ok. Bon. C'est peut-être le dernier à 30 avant les pots de vin. Encore des... Attends, on l'a pas déjà eu en début d'opening, Dévastation, sur la GK. C'était peut-être sur une autre arme, je sais pas. Ardent encore. Et Ardent, on l'a eu plein de fois. Et Infiltration, ok. 28 clés. Bon.
L'heure est venue d'ouvrir les pots de vin. Bon, bien entendu, on va garder vraiment pour la fin les armes à distance, c'est ce qui nous intéresse le plus finalement. Armes de corps à corps. Donc là, je le répète, j'espère que j'aurai pas le cambrioleur et j'espère que j'aurai pas la nouvelle arme également. Et si j'ai les deux, on va dire que c'est le moins bon cas de figure. C'est pas dégueulasse, ça fait quand même deux nouvelles armes, mais c'est vraiment le truc que je souhaiterais le moins. C'est parti. Mesdames, Oh là là. Allez. Oh putain, les cambrioleurs. Ok, bon, déjà, ça commence mal. Alors là, me donnez pas, s'il vous plaît, la nouvelle arme. Le tronçon point. Putain, tronçon point, tronçon point. Je veux trop mon tronçon point. Allez. Allez. Mais non, putain! Pas possible! Oh non, 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 s'il vous plaît, faites pas ça! Oh non, mais ils sont sérieux, ils l'ont fait en plus. Je vous avais dit, hein, les deux trucs que je voulais le moins, ils me les ont donnés. Non, ils ont pas le droit. Oh. Bon, c'est que des armes de corps à corps, mais du coup, je passe à côté du bras de mannequin et du tronçon point. Les deux armes que je voulais le plus parmi les quatre, c'est quand même vachement méchant, hein. C'est vache. C'est vache. Oh là 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 là. Oh non, putain. Ça se fait pas. Oh. Bon, en voyant ça, je me dis que j'aurai le Rift 9 du coup parmi les deux là. Hein. Je vais me faire douiller, mais vraiment jusqu'au bout. Hein. Bon, allez, on ouvre le 30 quand même, parce qu'il y a peut-être moyen d'avoir une arme et d'amoindrir les chances. Mais ça m'étonnerait en réalité. Hein. Bah oui. Oh, nain de jardin quand même. Pas mal. T'as une belle tête comme ça, mon petit nomade. T'as une belle tête. Allez, On sait jamais s'il ce vous qui peut plaît, pas de arriver. Rift 9, pas de Rift 9, pas de Rift 9, pas de Rift 9. Yes, DBSR50, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Le Parmi les DBSR50, complices de Rancho. ça fait plaisir. Qu'est-ce que je vous avais dit? C'était un signe, l'interdiction RSA. Donc là, vous voulez vraiment le DBSR50, donc maintenant ça fait plaisir. Alors, une possibilité, une arme. Parmi les 4 qui restent, laquelle je voudrais le plus? Honnêtement, ce serait soit le nouveau fusil d'assaut, soit la nouvelle mitraille. C'est vrai que c'est peut-être ce que je veux le plus, que je veux le plus tester parce que je suis intrigué. Si j'ai le Rift 9, je me fais douiller. Si j'ai le prix Co Pisto, c'est quand même super. Voilà. Donc c'est parti. Oh là 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 là, je vais me faire douiller. What? Yes, LV8 basilic! Ça fait plaisir! Et voilà! Yes! Et du coup, en plus, ça fait 6 armes au total. Bon, j'ai déjà le broyeur de crâne. Mais ça fait quand même plaisir. 6 armes au total dans cet opening. Deux armes dans un même ravitaillement. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Bon, c'est le broyeur de crâne, je l'ai déjà. Mais ça fait quand même plaisir d'avoir deux armes dans un même ravitaillement. Et surtout, j'ai eu la MV8. Je me suis peut-être fait enculer. Faut le dire, hein, faut le dire. Au niveau des armes de corps à corps. Mais au niveau des armes, du coup, à distance, qui sont les plus importantes, hein, je vous l'avais dit. Au moins, j'ai eu ce que je souhaitais. Donc, c'est vraiment super. Ça a rattrapé. Parce que vu comment c'était commencé, on va dire que je sentais la douille quand même. Ok, et Finalement, pas tant que ça. Six armes quand même en un opening comme ça. C'est pas mal, deux doublons, quatre nouvelles armes. Et ça fera quatre nouveaux épisodes de Melee Général avec toutes les armes. Quoique c'est pas fini, là, il va y avoir encore quelques petits trucs à ouvrir. Mais bon, on est à la fin, de toute façon. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir, non? Je suis content, surtout pour la LV8, là. Parce que je vous avais dit, ouais, soit LV8, soit la nouvelle mitraillette, c'était ce que je voulais. Ils me l'ont donné. Et le DBSR, pour moi, c'est le meilleur sniper du jeu, de ce que j'ai pu tester. Donc, pouvoir enfin l'avoir, c'est également énorme. Je vais enfin pouvoir kiffer le sniper sur Black Ops 3, même s'il n'y a pas d'analyser, le DBSR, il est nickel. Il est nickel. Bon, par contre, détruit, détruit, là. Allez, allez, fais pas patienter. Imaginez, là, on a une septième arme, peut-être, hein. Qui sait? Qui sait? Enfin, peut-être un autre doublon, mais qui sait quand même. Bon. Est-ce que j'hésite presque, vous voyez, à ouvrir un rare. Et ouvrir du coup 3 standards. Non, vous ouvrez un rare, C'est hein, pas allez. grave, de toute Pourquoi? façon. Pourquoi je n'ouvrirais pas de rare? Parce que j'ai ça! Attention, qu'est-ce que je vais avoir là? Non, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Suspense. Donnez-moi une arme. Donnez-moi 3 armes, tiens. Allez, 3 armes d'un coup. Restez pas traîner. Oh là, le dernier, ils me font le suspense à fond. Oh yes! Ah non, je l'ai déjà! Non, je crois que je l'ai pas. J'ai toujours ce qu'il fait Attendez. mieux pour vous. Il y a un truc au niveau de cette tenue. Je sais pas si j'ai le bas ou si j'ai le haut. Mais si j'ai déjà le bas. Ça veut dire que j'ai la tenue complète d'astronaute et ça, ce serait cool. Bon, on va voir ça de façon directe vu que là, on a terminé. Quoique, il y a peut-être encore. Hey, il y a encore des doublons histoire que je vous vende un ravitaillement à 10. Cet opening sera infini. Là, je vais avoir un bonus de. Ah bah non, je peux pas avoir de bonus de clé, ce sera un 10. Je te raconte des conneries. Oh là là. Bon, moi, du coup, ça va me permettre de jouer à Black Ops 3, même si, bon, Infinite Warfare et Modern Warfare Remastered sont sortis. Voilà, bon, forcément. Je prends beaucoup juste de kiff à Infinite Warfare, mais ça fait plaisir des fois de retourner sur Black Ops 3. Là, ça va donner envie justement d'y retourner avec ces nouvelles armes. Donc pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, pourquoi pas. Surtout, c'est des nouveaux épisodes de Melee Général avec les armes, donc ça, c'est nickel.
C'est nickel. Bon, ils arriveront pas tout de suite parce que le temps de d'appréhender toutes ces nouvelles armes, ça va être plutôt long. Alors, dernier ravitaillement cette fois-ci, c'est sûr, c'est vraiment le dernier des derniers. Eh bah, c'est pas trop mal pour un ravitaillement standard, c'est pas trop mal d'avoir ça. Ok, bon, on détruit encore les doublons, même si, bon, là, cette fois-ci, on sait très bien que le cumul n'arrivera jamais à 10. Du coup, bah, pour finir, vous savez, à chaque fois, je vous montre quand même ce que j'ai eu, je découvre avec vous ce que j'ai eu. On va voir ça tout de suite au niveau des spécialistes. Alors, spécialistes, il y a l'air d'avoir des trucs, hein. Alors, corps ici, du coup, pour notre chère ruine, on a dru Ada. Ok, Ada que... Putain, je pensais que je l'avais en plus, celui-là, mais non, je ne l'ai pas. Ok, bon, pourquoi pas, il est pas très très beau, mais c'est déjà ça. On en a eu... Oh, j'ai même pas remarqué, on en a eu deux pour ruine des nouveaux, là. Oh, où ce mortuaire pour vous, le sac mortuaire. Pas mal. Jolie manœuvre, beau combat. Non, celle-là est nulle. Parce qu'en fait, je pense que pour Ruin, j'ai pas de truc où justement Ruin fait une provoque stylée, tu vois, il bouge. Donc c'est cool d'avoir des comme ça, des classiques. On va prendre House Mortuaire, voilà. Plutôt cool. Outrider ensuite, on en a 5. Donc du coup, il y a la tenue ardente, normalement au complet. Donc qui est vraiment stylée, je trouve, en plus sur Outrider. Donc voilà. Et on a du coup eu le corps, on a eu Chic. Ah bah du coup j'ai la tenue complète Chic également. J'avais la tête mais j'avais pas le corps. Bah maintenant c'est fait. Ok, pas mal tout ça. Ça fait deux tenues complètes d'un coup du coup pour le Rider. Bon, Height 5, ouais, non, on connaît hein. Et là du coup, oiseau de proie. C'est laquelle du coup oiseau de proie, on va voir ça. Ah oui, c'est avec les vautours. Yeah, elle est stylée celle-là en plus. Cool. Ah ouais, elle est vraiment stylée celle-là, yes, yes, yes. C'est vraiment cool. Ok, donc ensuite, prophète, qu'est-ce que tu vas nous montrer, toi? Donc, en niveau de la tête, on a eu paradis. Donc, paradis, c'est moche. C'est moche, hein, soyons clairs, c'est moche. Ensuite, au niveau des corps, on en a déjà beaucoup. On a eu ardent, donc ardent qui est très stylé. Mais la tenue complète, l'est encore plus. Il m'aurait fallu la tête. Provoque, on a eu high five encore. Ok, donc on connaît. Et on a eu motivation. Il n'y a pas de nouvelles, de toute façon, je crois. Hein. Et cœur brisé. Oh, on va prendre cœur brisé, pas mal. Ok, voilà. Ensuite, batterie, on a eu un corps. Qu'est-ce que j'avais eu déjà pour batterie en termes de corps? C'est pas justement ardent? Non, c'est berserker. Ah oui, c'est le mode chasse là. Donc ça, c'est un nouveau truc de décembre. Ensuite, niveau des provoques, faut remonter. Plein d'amour. Yeah, bro. Donc non, c'est nul. Cassé, c'est nul. Enfin, c'est classique quoi. Et Kuba, yeah, le dab, ok. Hop là, le petit dab, est-ce qu'on le met? Non, on va pas mettre le dab, on va garder danse. Ouais, on va garder danse, allez. Ok, ensuite, Seraph. Donc, Seraph, est-ce que j'ai une nouvelle provoque? Ça va être intéressant de voir ça. Donc, tout d'abord, déjà. J'ai eu quoi? J'ai eu ardent. Ah, j'avais même pas vu que j'avais eu ardent pour Seraph. Ok, bon, pas très très beau, hein. Non, donc ouais, je l'avais déjà hein, pour la provoque de première passe. Dommage, dommage. Et là, j'ai eu un petit tour. Ouais. Dégagé, du coup, aussi. Yeah, yeah, bro. No, c'est nul. Oh, Nomad, 7 nouveaux trucs. Tête, du coup, j'ai eu Ardent, ça c'est sûr. Et j'ai eu... j'ai eu les deux nouveaux, finalement. Les deux nouveaux trucs de décembre, j'ai eu les deux nouvelles têtes. Parfait. Ok, mais j'ai remarqué que j'ai eu aucun truc d'Halloween, par contre. Hein. Non, j'ai eu aucun truc d'Halloween. Ça, c'est dommage. Hein. C'est dommage, parce que c'est vraiment les tenues les plus stylées. Ah, bah, j'ai la tenue Ardent au complet. Pour... pas mal. Ok, mais c'est... Ouais, c'est dommage, j'ai eu... quasiment, voire même aucun truc d'Halloween. Vous aviez pas impossible. Ok, bah c'est pas mal vu que j'ai pas encore de trucs vraiment animés là en termes de première place. Donc pourquoi pas. Cœur brisé. Ouais, mais on va pas le mettre cette fois. Et là, on a Yoging. Yeah, Yoging. Attends, et on en a une autre. Argent liquide, je crois. Bon, on connaît, hein, on connaît. C'est le YouTube Money, ça. Alors, tête. Merde, tête. Donc là, c'est la tête orange pour Bolide. Du coup, j'ai. Par contre, ça, c'est bien parce que j'ai la tenue complète de Bolide. Donc, je ne dis pas non. C'est vraiment cool. Et au niveau du corps, du coup, c'était le puzzle. Le puzzle, du coup, que j'ai pas au complet. Malheureusement. Ensuite, deux pour Spectre. Bah, c'est deux corps. Donc, on a Panda et Ardent. Ardent, il est putain de stylé sur Spectre. C'est pas possible. Faut trop la tête, quoi. C'est parce qu'elle est vraiment stylée. Et on finit avec Firebreak, donc c'est la tête. Et du coup, normalement, oui, c'est ça. J'ai ma tenue d'astronaute enfin avec Firebreak. Ah, je l'aime trop cette tenue. Ça fait plaisir. Ça fait. Bah, je vais la mettre direct d'ailleurs, ma petite tenue d'astronaute là. Ah, elle est stylée comme ça, elle est vraiment stylée. Yes. On est dans le thème d'Infinite Warfare, c'est excellent.
Ensuite, du coup, niveau des emblèmes, on a eu 3 emblèmes quand même. Donc ouais, armure du roi, lapin fou. Ouais, ça commence à se compléter au niveau des emblèmes. Et ah, j'avais toujours pas dystopique, qui est plutôt stylé en plus, je trouve. Bon, je vais pas le mettre, mais ça va, hein. Par rapport à certains, il est vraiment cool. Et les cartes de visite, bon, il n'y a pas eu de, je crois, de collection complétée en termes de cartes de visite, mais bon, il y a eu des pas mal. Bon, ça, bon, c'est nul. Là, tu sais, il dit, oh, c'est pas mal, et là, il dit, non, c'est nul. Oh, ça aussi, c'est nul. En vrai, non, ouais, c'est nul en plus. Combat spatial, ouais, c'est nul aussi. Galactique, non, celle-là, elle est belle. Par contre, observation des étoiles, elle est stylée. World at War, ça fait plaisir les boissons. En plus, il me reste du coup plus que 2 cartes de visite de World at War pour avoir la carte animée qui est hyper stylée. Et bon, après, il y a Bling, voilà, avec la petite couronne. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout. Ah non, il en manque une. J'en ai raté une. Elle est où? Elle est où, celle que j'ai ratée? Je suis bigleux. Ah, ok, c'est au niveau de là. Ah oui, c'est celle-là, c'est vrai. Qui est plutôt pas mal en plus. Et donc, les armes. Au total, du coup, si vous avez fait le calcul, il me reste 5 armes sur ce Black Ops 3. C'est quand même énorme. Du coup, le fusil d'assaut qui manquait, il est acquis. Donc, j'ai tous les fusils d'assaut de Black Ops 3. Il y en a 11 quand même. Bon, bah, il me reste toujours les deux mitraillettes, là, la nouvelle dont je ne sais toujours pas le nom. Ça n'a pas changé depuis le début de la vidéo. Et le brico pisto. Ah, le DBS est enfin débloqué. Je vais me faire quelques games là juste après avec. Je vais me faire un plaisir d'ailleurs de jouer avec parce que ça, c'est le gros kiff. Donc finalement, ouais, il me reste que deux mitraillettes hein, en arme à... Ah non, et également du coup le Rift 9. Je suis content de pas encore avoir le Rift 9, putain. Vous pouvez pas savoir à quel point. Genre le Rift 9, c'est vraiment l'arme maudite. Depuis le début, je veux pas l'avoir. Je l'ai toujours pas eu. Je suis bien content de l'éviter pour l'instant. Après, bon, maintenant, si elle vient hors des pots de vin, de toute façon, il n'y en aura plus des pots de vin. Oui, là par contre, je la prendrai. Hein. Donc arme de corps d'or, du coup, il en reste deux. Malheureusement, j'ai eu les deux armes... bah, pour moi, c'est les mêmes. Hein. Vous verrez quand je vous les présenterai dans mes légendes avec tous les armes. Mais pour moi, le cambrioleur, c'est un reskin de l'œil du corbeau, du coup, qui s'appelle. Et ou vice versa. Donc, c'est un peu dommage. Et il me restera bah, le trousson point. Et du coup, le petit bras de mannequin. Voilà. Bah, du coup, j'espère que ça vous a plu. Ce vraiment big opening, comme je l'appellerais normalement dans le titre, le méga, giga, extra, giga, bêta. Voilà, tout ce que tu veux. Opening sur Black Ops 3. Du coup, j'ose pas trop vous dire que c'est le dernier, parce qu'aussi bien que par la suite, sachant que Black Ops 3 va encore vivre dans cette année 2007, on peut dire, il y aura peut-être encore des openings. S'ils nous proposent des contrats encore spéciaux, oui, je me ferai un plaisir de les faire, de vous proposer des openings. Sinon, bah, j'irai pas acheter des code points pour vous faire les openings. Après, je peux très bien économiser des clés crypta, ça je pense que je vous le ferai. Donc c'est vraiment pas exclu que je vous fasse encore les openings, je pense que vous en ferez d'autres, voilà. Clairement. Ça arrivera dans quelques temps, même dans très très longtemps, peut-être. Faut voir. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. Lâchez un max de likes, de commentaires et de partages. Ça me fera extrêmement plaisir. Ça me félicitera déjà pour avoir accompli les 100 victoires, hein, en 2 jours et demi, comme je vous l'ai dit. Et puis, ça me soutiendra également sur le fait d'avoir fait cette vidéo, si ça vous a plu et tout ça. Et du coup, bah, on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos sur Black Ops 3 ou sur d'autres jeux, bien évidemment. Allez, bye tout le monde! Oh yeah!